Automassage du piriforme. Donc tu peux avoir besoin d'une balle, si tu souhaites vraiment le cibler plus particulièrement, ou d'un rouleau d'automassage. Je vais te montrer avec le rouleau d'automassage, c'est plus simple. Donc pour trouver le piriforme, c'est simple, c'est l'endroit où quand tu serres les fesses, tu as toujours un petit creux là. Et il se situe à peu près là. Donc pour cibler le piriforme, tu vas avoir besoin de t'asseoir sur le rouleau. Une fois que tu es assis sur le rouleau, il va falloir libérer de la place pour pouvoir vraiment cibler le piriforme. Pour ce faire, tu croises simplement la jambe du côté massé. J'insiste bien là-dessus. Donc, je masse la fesse gauche, le piriforme gauche. Je vais croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Je vais venir décaler légèrement mon bassin vers la gauche. Et là-dessus, je vais venir rouler jusqu'à ce que je trouve un endroit qui fait un peu mal. Donc, pour trouver cet endroit, tu peux aller d'avant en arrière, mais il y a aussi l'intérêt de basculer un peu plus sur le côté. Et là, normalement, si tu bascules un peu plus, tu vas le trouver. Et on va rouler sur 3-4 cm, pas plus. Quand tu trouves des endroits qui font un peu mal, comme d'habitude, on pratique les respirations profondes et on lâche du poids de corps. Pour aller relâcher un peu cette zone. Donc c'est le même principe quand tu utilises une balle de lacrosse. On vient s'asseoir dessus sur le côté, à peu près au niveau du creux des fessiers. On vient croiser la jambe du côté massé. Ah, ça fait un peu plus mal, hein? Et même principe, je souffle et je lâche du poids de corps aux endroits où ça fait mal.